flippez pas, je me trouve derrière vous, j'arrive. Garçons, je suis ravie de vous retrouver un Tuesday. Happy Sunday. Happy last Sunday of BB with you guys. C'est mon dernier dimanche de tournage pour l'été. En fait, c'est la dernière vidéo que je shoot de tout l'été. Donc, il y en a deux autres qui ont d'ores et déjà été tournées qui vous parviennent tantôt. Dont une que vous êtes nombreuses à me réclamer. Et qui vous parvient en milieu de semaine prochaine, parce que ça relève là de l'urgence, en tous les cas de la nécessité pour nombre d'entre vous. Vous allez le voir, je vais attacher vos messages à l'écran, etc. Et une vidéo très utile, forme et santé, très utile, dans ce contexte hostile et périlleux également. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dont j'ai annoncé l'intervention dans la vidéo qui nous a réunis dimanche dernier, autour du parfum. Donc je vous renvoie, moi vous le savez, je suis une folle, folle, folle amoureuse du parfum. J'aime le parfum de la même manière que j'aime la musique. Ça veut dire que je ne peux pas vivre sans. Je ne passe jamais un jour sans me parfumer. Même une eau fraîche, hein, quelque chose, même en restant ici, même en allant au sport, en ce moment je vous l'ai dit, je suis tellement bougie. Je porte ma cologne rhubarbe écarlate de Maison Hermès pour aller à la gym. Ah, excuse me. Parce que c'est l'état dans lequel elle me... J'adore le parfum. J'aime le parfum toute l'année, à tous les moments. Il y a un parfum, c'est pas nécessairement vrai à 300%, mais il y a un parfum pour chaque saison. Quand l'automne arrive et que je commence à regarder les manteaux qui sortent, etc. pour le shopping... J'ai automatiquement des senteurs dont j'ai envie. Je vais aller chercher quelque chose chez Narciso Rodriguez. En hiver, je vais aller chercher mon boucheron de boucheron. J'ai mes habitudes depuis toutes ces années. Mais pour autant, vous le savez, j'adore découvrir de nouvelles fragrances. Il y a une, et vous connaissez mes habitudes. En parlant de ça, je vais vous faire un crash test. Il y a un crash test qui va vous arriver sur Instagram. Parce que vous le savez, l'un de mes absolus dans l'univers olfactif, et j'en viens à la marque qui nous intéresse aujourd'hui, que vous avez déjà découverte, que vous voyez d'ici ou pas, je suis trop myope. Bon, on revenira ça maintenant. Vous le savez, l'un de mes absolus, et ça me déchire le cœur à chaque fois que j'en parle, c'est l'Omnia Indian Garnet, chez Maison Bulgari, dans la très très impressionnante gamme des Omnia, on les compte nombreux. Il y en a un, moi, qui a emporté mon âme et mon cœur et mon être entier. C'est l'Omnia Indian Garnet. Je le porte beaucoup en ce moment. C'est mon parfum de l'été depuis toutes ces années. Au même titre que la cologne de Mugler. Au même titre que des tonnes d'autres fragrances. Le pamplemousse rose chez Atelier Cologne. Mais lui, il est vraiment... Et vous le savez, malheureusement, il a été discontinué. Donc, vous le savez également, j'ai un backup à faire pâlir d'envie la maison Bulgari elle-même. What? Attends, je vais me calmer un peu, je vais prendre une petite chouquette de mon hibiscus. Vous êtes nombreuses à me demander ce que je bois. Ce que je bois, ladies and gentlemen, les plus fidèles d'entre vous le savent. C'est ça, le thé d'hibiscus, 100% pur, 100% bio, propre, parce qu'il y a des hibiscus qu'on vous vend, en fait, c'est de la poudre de colle. Là, ce sont vraiment les pétales, la fleur, déshydratée. Donc, c'est du iced tea, c'est un thé glacé d'hibiscus que je consomme toute la journée, tous les jours, en ce moment, tous les jours. Que je consomme volontiers chaud en hiver, dans les mois froids. Mais que là, je consomme le glacé avec une chouquette de ma stevia au citron. Et je suis au max, c'est très désaltérant, mais toutes les propriétés nutritionnelles de l'hibiscus auxquelles je vous renvoie vraiment. Je vous l'attache régulièrement dans mes stories, je vous le remets là dans la barre d'infos. Je l'achète au kilo. Et donc, pour revenir à la matin. Oui, attempt number 2 du turban. Donc là, c'est super, vous allez retrouver ce produit dans la Auguste Fashion. J'adore,
Mais je préfère l'autre. Je préfère la matière de l'autre. Mais celui-ci, je l'adore. En plus, il est beaucoup. Enfin, je sais pas. Je tâtonne. Je tâtonne dans un univers. Dans un univers qui m'est complètement nouveau. Hein. Je suis toute excitée. Et franchement, ça dépanne. Hein. Je suis sortie dehors, tout le monde me complimente et tout ça. Donc, je le disais. S'agissant de l'Indian Garnet chez Maison Bulgari, j'ai la chance de disposer d'un beau backup. Mais même si je ne sais pas combien de temps je vais vivre, je pense pas que j'en ai suffisamment pour le reste de mon existence. Je pense pas. J'en ai beaucoup, mais j'en ai pas autant. Et donc, je l'ai déjà dit, j'ai déjà envisagé... Là, je suis absolument, comprenez-moi bien. Oui, les filles et les garçons, je le disais, des conditions périlleuses de tournage, j'ai le nez qui coule énormément. Donc je fais les muches, mais c'est pas pour. C'est parce que les clims et tout ça. Les clims. Il y a des tonnes d'endroits, on commence, ça ressemble fort aux États-Unis là. Il y a des tonnes d'endroits où la clim, ça commence à être trop exagéré, c'est trop exagéré, c'est trop froid. Par exemple, le côté crossfit à ma salle de sport, c'est trop intense, la clim, elle est trop intense. On passe de là à là, c'est un choc thermique. Quand je suis allée me plaindre, parce que tu te doutes bien que je suis allée faire état de mes doléances, je leur ai dit, les gars, le choc thermique, là. Ils m'ont dit, ah, ben, personne ne s'est plaint. J'ai dit, non, personne ne s'est plaint, mais moi, je me plains. Voilà. Donc, ça coule, mais c'est pas pour vous manquer de respect, c'est le muche de... Et donc, pour revenir à l'amendement, je le disais, je suis absolument contre la contrefaçon. Je suis absolument contre la contrefaçon, vous le savez, pour ceux qui ne le sauraient pas, celles et ceux qui ne le sauraient pas. Dans la matière légale, ma spécialité, c'est la propriété intellectuelle. Donc je suis très insistante sur ce point, d'accord? Mais sans parler de contrefaçon, puisqu'il est question d'un produit qui a été discontinué. Et après, c'était juste une parenthèse pour vous faire un teasing de ce qui arrive bientôt sur Instagram. Je sais pas si je vais pas même en faire en live. Parce que une de mes sistas d'amour, si j'arrive à retrouver ton message, je le mets là à l'écran. Ou je le mettrai plutôt, non, je te citerai lors de mon live. Elle m'a dit, voilà Sabrina, je sais combien tu adores ce parfum, etc. Voilà telle marque, telle société qui distribue tel produit. C'est la copie exacte, mais exacte. De l'Indian Garnet, Omnia Indian Garnet de Maison Bulgari. Alors au début j'ai dit non, c'est pas possible, mais après je me suis rappelé que moi-même j'avais envisagé d'aller trouver un artisan parfumeur et de lui demander de le recréer. Et j'ai dit, tu sais pas pourquoi, je vais tenter. Banco, en mat. Je l'ai acheté et je viens de le recevoir. Je l'ai pas déballé, je vous attends. Donc rendez-vous sur mon Instagram, ça va être toute une heure. Parce que vous savez que moi je pars dans des wouh. Bon. Et vous savez combien je l'aime. Et il a disparu. Ay, que tristesse. Que tristesse. Bon. Donc, vous le savez, si vous êtes des fidèles de mes partages, parmi les très nombreuses marques de parfums, les grandes maisons de la parfumerie que j'affectionne particulièrement, il y a une marque que j'aime infiniment. Je vous la partage régulièrement. J'aime tout dans cette marque. J'aime leur approche du sens olfactif. Il le rattache, et j'ai eu la chance de rencontrer l'un des préposés de la marque, et il m'a confirmé ce que moi j'avais compris par moi-même. C'est-à-dire que chez Maison Margiela, parce que c'est de Maison Margiela dont il est question en Tuesday, et c'est une vidéo que je tourne en collaboration avec Look Fantastic, j'ai attrapé tous ses jus chez Look Fantastic, à l'exception d'un. L'approche de Maison Margiela pour les très très nombreuses fragrances qu'ils comptent dans leur catalogue, c'est vraiment rattacher une fragrance directement à la mémoire. La mémoire d'un lieu, la mémoire d'une saison, la mémoire d'un rituel, la mémoire d'un moment, la mémoire. Et moi, c'est très précisément comme ça que je fonctionne avec les parfums. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. Il m'arrive, quand il m'est arrivé il y a quelques temps, vous le savez, j'avais la chance de collaborer avec la marque. Quand j'ai respiré le Anaïs de Cacharel, là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai 40 ans. Les filles, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, j'avais 38 ou 39 ans.
Anaïs de Cacharel, c'est un parfum que j'ai porté pendant toute mon adolescence. Ça m'a transporté le pouvoir de la mémoire olfactive. Please excuse. Oh, attends, non, c'est une news que j'attends grave. J'ai acheté quelque chose de Tumiores. Voilà, merci, c'est quoi pourquoi? Ok. Le pouvoir de la mémoire olfactive. Donc, quelquefois, je passe sur un marché, par exemple. Un marché, je respire une épice ou un légume ou un fruit. Ça me renvoie à des souvenirs. Là, quand les premières figues sont arrivées, avant de la manger, la figue, parce que vous le savez, les plus fidèles d'entre vous le savent, en ce moment, je suis carrément paquito. Là, je suis à fond dans les fruits et tout. La première figue que j'ai sentie là, dehors, avant de commencer à les acheter, ça m'attrape et ça me renvoie des tonnes de souvenirs, etc. Donc c'est vrai que cette approche de Maison Margiela là, je l'adore. Ils n'essayent pas de coller à une mode, ils n'essayent pas de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est vraiment le truc de la mémoire et ça j'adore. Ensuite évidemment j'aime infiniment les codes de la marque, la manière dont ils communiquent, leur marketing, Lazy Sunday Morning dont on va parler dans un instant. C'est très... Allez voir, même sur Instagram, suivez-les sur Instagram. J'adore la manière dont ils communiquent. J'adore le minimalisme des flacons. J'aime infiniment, vous le savez, si vous connaissez mes habitudes, le fait qu'une fragrance soit déclinée dans le gel douche, la bougie, la crème pour le corps, le que ceci, que voilà. J'adore le savon, j'adore. J'aime toucher cette marque. Je préfère vous dire une chose, j'adore Maison Margiela. Mon objectif, c'est de les posséder tous. D'accord, on peut rêver. Mon objectif c'est de les posséder tous, et si vous parvenez à les distinguer, c'est un objectif qui est réalisable en réalité. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les king size, donc les qu'est-ce que ça fait ça, 100 millilitres. Je sais pas s'il existe des pas bouteilles, je sais pas. Il me semble que ça, ce sont les king size. Les 100 ml, il existe des tonnes de taille. Et il existe également, et c'est la meilleure manière de mettre le pied à l'étrier chez Maison Margiela, parce que je l'ai dit, les fragrances sont nombreuses, il existe ce petit kit très formidable qui est disponible chez Look Fantastic. Vous savez que je l'ai attrapé, je vous l'ai déjà partagé. Je les ai dans mon tiroir du bureau, là, et quand je travaille de temps en temps, je me fais un pchit, d'accord? Même si j'ai la chance de posséder la plupart de ces fragrances en vraie bouteille, en vrai flacon. Il existe kit de découverte. Découverte slash je les emportais avec moi dans mon sac à main pour les situations où je me trouve dans des conditions olfactives intolérables et invivables et qu'il est question de survivre, d'accord? Donc ça c'est très formidable. Mais alors moi je l'ai dit, je les veux toutes parce que elles sont extrêmement fidèles à leur intitulé. Ça aussi ça fait partie de ce que j'adore chez Maison Margiela, le nom des fragrances. Ben moi je suis romantique. En fait, je suis très sensible à ça. Là où toutes les... Enfin, pas toutes, mais nombre des marques de parfums. Oui, si vous voyez, c'est un petit quelque chose de chez Lily Silk, que je vous remets dans la barre des faux, en soi pure, donc, que je vous avais partagé, que je mets parce que c'est trop décolleté. Là où d'autres, des tonnes de marques essayent d'attraper des noms catchy, des noms de parfums catchy, etc. Chez Maison Margiela, à contrario de cela, le nom de la fragrance traduit très précisément ce qu'elle est, ce qu'elle offre, ce qu'elle a dans le ventre, son identité. D'accord? Et j'adore ça. J'adore ça. Donc, sans plus de cérémonie, on se jette à l'eau. Je vais tenter de faire de cette vidéo une petite vidéo courte. Je vais dans un premier temps vous partager mon feeling de la fragrance, ce que moi j'en pense quand je la vis, et également ce que la marque en dit. Évidemment, je le disais, cette vidéo est en tournée en collaboration avec Look Fantastic, mon code SABLF, jusqu'à moins 40% de réduction sur tous les produits disponibles à partir du premier lien dans la barre d'infos. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ça crée des confusions. Dans la barre d'infos, il y a les produits et les informations que j'ai mentionnées dans la vidéo. C'est indiqué, il y a un titre. Le premier lien que je vous partage, tous les produits qui sont accessibles depuis ce premier lien, ce sont des milliers, peut-être des dizaines de milliers de produits qui sont disponibles à partir de ce lien,
mon code s'applique sur SAB-LF de manière permanente. Donc ça varie, quelquefois c'est jusqu'à 25%, en ce moment c'est jusqu'à moins 40%. Pas sur tous, mais sur certains. Mais en tous les cas, ils sont tous concernés par mon discount. J'espère que c'est plus clair, parce que j'espère vraiment que vous profitez du discount. Moi j'aime un discount. Bon. Donc, je sais, on va commencer par celui-ci, évidemment, puisqu'on est dimanche. Lazy Sunday Morning. Le dimanche matin de la paresse, quoi. Tu vois, de la vie attente. Et alors lui, il porte vraiment parfaitement son nom. Mettez-vous dans le contexte. Quand il, quand Maison Margiela, quand il communique sur lui, c'est très beau. Il y a toutes ces lumières, c'est très blanc, c'est le coton. Tu sais, les rideaux, les voilages qui sont dans le vent. Lazy Sunday Morning, il est très précis, il porte très bien son nom. Imagine-toi, on est dimanche matin. Le réveil, évidemment, n'a pas sonné, on est dimanche. Mais je me suis quand même réveillée trop tôt, j'aurais bien aimé dormir davantage. Mais je suis réveillée, c'est pas grave. Je vais me mettre lentement en marche. Ça va me donner l'occasion de cleaner la maison, de mettre mes affaires en ordre. Parce qu'à 13h, j'ai le brunch avec les copines. C'est exactement ça. Il est doux, très doux, mais il est présent. Et c'est vraiment cette pureté. Il n'est pas du tout prétentieux. Il est mixte. Je pense que c'est le cas de toutes les fragrances de Maison Margiela, honnêtement. Il est très beau sur un homme, lui, par exemple. Vraiment. Pour vous le catégoriser dans la famille des parfums qui vous sont très familiers, le CK1 de Calvin Klein, mais c'est pas lui, mais ils sont de la, des cousins très très éloignés, pour vous le situer. C'est la pureté, le calme, les petits oiseaux qui chantent, le bien-être. Il n'est pas girly, pas du tout, hein, pas du tout. Aucune des fragrances de Maison Margiela n'est girly. Il est vraiment extrêmement plaisant. Il est reposant. C'est la quiétude et le calme, vraiment. Comment est-ce que la maison le traduit? Et là, ils vont dire tout l'inverse. Non, c'est pas possible. Alors, Maison Margiela. Le truc qui est génial sur la possibilité de les attraper chez Look Fantastic, c'est le discount. Parce qu'on peut évidemment les trouver ailleurs. Même le website est beau. C'est cette identité, cette marque a vraiment une belle identité, j'adore. Oui, en parcourant rapidement le site, je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser, tous les jus Maison Margiela que je vous partage aujourd'hui relèvent de la gamme Replica, parce qu'il existe d'autres gammes chez Margiela que je ne connais pas, je suis très curieuse. Il y a Mutiny, il y a des parfums qui n'ont pas de nom. Untitled, il s'appelle. J'adore, c'est très mystérieux. J'adore. C'est très mystérieux, très artistique, c'est... J'adore, c'est très formel. Donc, une autre précision, les parfums que je vous partage aujourd'hui sont en réalité des eaux de toilette. Mais dans la gamme Replica, il existe des parfums. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Donc, Lazy Sunday Morning. Quand vous attrapez, je vais vous mettre un... Lorsque vous attrapez le flacon, je vous le mets en gros là sur l'écran. Je le disais, le minimalisme de la bouteille, j'adore. Le piston là, le vapeau, j'adore. La bande de tissu ici là, j'adore. Le fait que l'étiquette soit également un tissu, j'adore ça. Et je vous jure, elle est indécollable. J'adore le fait que ce soit... On dirait que c'est tapé à la machine, que ça vient d'être tapé à la machine. J'adore. Donc Replica, Reproduction of Familiar Scents and Moments of Varying Locations and Periods. C'est ce que je vous disais. Il est vraiment question de nous remémorer des endroits, des lieux, des personnes, des moments précis. C'est formel. Donc, originellement, il y a marqué originellement, vous le voyez là, Lazy Sunday Morning, provenance et période. Il est né à Florence en 2003. Et je pense que c'est réel. Description, fragrance, description. Soft skin and bed linen. Donc, peau douce et drap en lin.
et style description female fragrance. Mais vraiment, j'insiste. Messieurs, vous pouvez le porter facilement. Vraiment. Donc, est-ce qu'ils disent autre chose sur le site? Le souvenir d'une peau soyeuse, de draps en lin froissé et de l'odeur réconfortante du linge fraîchement lavé. Et pour confirmation, oui, les 100 ml sont les mamans bouteilles. Doux et soyeux comme un matin sous la couette, le parfum floral Lazy Sunday Morning offre des notes délicates et onctueuses de musc blanc et de muguet. Donc deux précisions. Moi, je ne suis pas très florale, vous le savez. N'ayez pas peur de la description que je viens de vous lire. Parce que les floraux, je les next, illico massas, ils me donnent la nausée, ça me rend malade. Là, c'est vraiment le musc qui prend le dessus sur le muguet. Et le muguet n'a pas une identité claire de muguet qui s'impose et qui veut essayer de t'embêter la migraine. D'accord. Il est là, mais il est bien encadré, il est courtois. Il est sympa. C'est un bon gars. D'accord. What? What else? Je dis, je vais faire une vidéo courte, mais à ce rythme. Hein. Le bonheur de se réveiller. Ben déjà, le bonheur de se réveiller. Ben, le bonheur de se réveiller. Les rayons du soleil sur sa peau, les draps froissés. Une pure sensation de confort, c'est réel. Enveloppante et relaxante, je dis, c'est le calme et la quiétude. Cette eau de toilette florale pure fait partie de la collection Replica. Yes, it is. Donc voici pour Lazy Sunday Morning. Je poursuis très rapidement avec, je les prends, il n'y a pas d'ordre. Coffee Break. Alors celle-là, quelque chose. Coffee Break. C'est le cas également pour un autre quelque chose qui relève de l'univers gustatif. Ne vous imaginez pas que ça sent le café. C'est comme là, dans un instant, je vais vous parler de matcha méditation. Ne vous imaginez pas que ça sent le thé matcha. Mais il y a quelque chose de l'univers du café. Moi, vous le savez, j'ai la chance de... Bon, déjà, je suis extrêmement... Je suis coffee... Pas addict, parce que j'aime pas attribuer ce... à moi. Je suis addict de rien, ni de personne. Mais vous savez que je suis une grosse consommatrice de café, que j'ai la passion, voilà, une passionnée. Je me réclame davantage de la passion du café que de l'addict du café, d'accord ? J'adore le café, je suis une puriste du café. Et vous savez, j'ai la chance, moi, d'attraper mon café chez le torréfacteur. Quand j'entre, et quand il vient de toi, et il est juste à côté de chez moi. Quand j'ouvre mes fenêtres et que je sens qu'il a torréfié, je vais faire mon backup. Il y a deux cafés en particulier que j'achète chez lui. Et vous savez que j'achète les grains et je les moue moi-même à la maison. Quand j'entre chez mon torréfacteur, quand il vient de torréfier, dans les toutes premières notes de ce qui entre dans mes narines, il y a quelque chose de coffee break. Mais c'est pas que ça, mais il y a ça. Ensuite, c'est vrai que c'est quand même... c'est un parfum luxueux. Il est présent, il est très enveloppant. C'est un pull en cachemire. Il est luxueux. Il est extrêmement... Il fait rich, mais tout en sobriété. C'est pas un oud puissant, capiteux, non. C'est pas du tout ça, mais il est de... C'est pas un parfum léger, une petite quelque chose de vite fait, la ballerine, non. Il est vraiment là, c'est... J'ai un manteau, d'accord? Mais dans le même temps, sans prétention, il est très respectueux de ce qui se passe autour de lui, il n'essaye pas de s'imposer. D'accord ? Coffee Break. Donc, originellement Coffee Break. Provenance et période, Stockholm 2007. Ben, Stockholm en 2007. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui, quoi ? Je vais mettre là. Oh, on a loupé ! Si j'ai la chance, l'occasion et la chance de rediscuter, de repapoter avec les gens de la marque, je leur demanderai vraiment de me raconter. Le contexte, est-ce que vraiment c'est à Stockholm? Qui, comment, pourquoi, what about? Fragrance description, creamy and cozy coffee. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment, il est très rassurant, il est enveloppant, c'est le pull en cachemire. Style description, female and male fragrance. Donc là, ils disent qu'il est mixte.
Mais je vous dis très honnêtement, je ne les possède pas toutes, mais celles que je n'ai pas en bouteille et je les ai en échantillon, je me suis jamais dit, ça c'est vraiment un parfum pour les femmes, chez Maison Margiela, vraiment. Il est vraiment très formidable. Coffee Break, c'est une pépite. Si vous aimez fèves délicieuses, chez Maison Dior, vous allez adorer Coffee Break. Ils sont cousins. Low Lazy, Sunday Morning et CK1 de Klein, ils étaient cousins, hein. Fèves délicieuses et Coffee Break, ils sont cousins. Éloignés, ils ne se fréquentent pas beaucoup, mais ils appartiennent à la même catégorie. Que dit la marque? Le website est magnifique. Une pause dans un café. Forte saveur d'arabica et de pâtisserie chaude. Il y a ce quelque chose de... Et alors je vais ne l'interpréter pas mal parce que moi je n'aime pas les fragrances caramel, vanille, sucre, ça m'écœure, je ne les aime pas. Donc, mais il y a quand même ce quelque chose de la pâtisserie chaude, effectivement. C'est pas exactement sucré, mais gourmand, ça fait sens? Un Wattels Coffee Break, et il voit que ça vous êtes, je sais pas combien on va avoir dit, Sabrina, la vidéo dimanche dernier quand tu disais Wattels, Wattels, c'était trop marrant, je le dis tout. Alors Wattels Coffee Break évoque le souvenir d'un moment de pause dans une ville dynamique où on se retrouve dans un café chaleureux au milieu d'une journée glaciale d'hiver. Le manteau, c'est ce que je vous disais. Une pause réconfortante et confortable autour d'un café crémeux en savourant des pâtisseries chaudes, ça me donne envie d'un bon latte là. Mais je vous jure, il est 9h du soir, je ne peux pas faire un café maintenant. La sensation de mousse de lait sur vos lèvres, le son doux de la machine à café est encapsulé dans ce nouveau parfum répliquant. Je vous jure que c'est vrai. Props à tous les nez. Le l'aîné, je ne sais pas, qui se trouve, qui sont à l'origine de ces merveilles. Props to you guys. Franchement, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Si par extraordinaire vous voyez ceci, please come to me. Dans ce nouveau parfum réplica, Coffee Break est composé de notes addictives de café mêlées à la tendresse de la lavande aromatique. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, maintenant que je le lis, c'est très vrai. Je l'avais jamais identifié, la coquine. C'est vrai. Oh, basilante. C'est évident, là, en fait. J'aurais dû l'identifier. Oh, what else? La lavande aromatique, une addiction laiteuse et chaude unique pour rappeler un moment de pure convivialité. C'est vraiment ça. Coffee Break en hiver, je le porte beaucoup. Quand je porte un pull marron en général, ou un manteau marron, ben, du coup je me déshabille. Yellow legging. Amazon Aware, si vous pouviez faire le même legging dans des tons un petit peu nude, merci. Il est formidable, Coffee Break. Il est vraiment très formidable. C'est une de mes fragrances hivernales favorites. De la même manière, je disais que Fève Délicieuse, que j'ai la chance de posséder, je le porte généralement en hiver parce qu'il est vraiment. C'est la tonka, c'est le... Donc très formidable, Coffee Break. Chibiu Swim. Avec la dernière maman bouteille que j'ai la chance de posséder, lui c'est un de mes... J'ai pas un favori, mais lui quand même je l'aime beaucoup. Whispers in the Library. Ce qui veut dire les chuchotements à la bibliothèque. Quand je vous dis que leur marketing il relève du génie, Whispers in the Library. Et moi, vous savez, je suis un rat de bibliothèque et de médiathèque depuis que je suis née, jusqu'à encore cette date de mes 40 ans. Tchoum. Pardon. Tchoum. Pardon. Parce que c'est... Je suis un rat de bibliothèque, moi. J'adore ça. J'adore l'ambiance, les odeurs, les chuchotements. Hein. Toutes mes années d'études, là, j'ai... Du haut d'une quarantaine, je continue d'aller à la médiathèque. Quand on était confinés, j'étais malheureuse de ne pas y aller, etc. J'ai la carte, j'ai tout ce qu'il faut. C'est vraiment ça. Whispers in the Library. C'est vraiment ça. Moi, j'ai eu la chance. En plus, il y a évidemment la bibliothèque qui m'a sauvé la vie quand j'étais petite.
Mais il y a aussi les bibliothèques que j'ai fréquentées de manière extrêmement assidue tout au long de mes études. J'étais à Paris, vous le savez. Et donc, j'étais beaucoup à la BNF, j'étais beaucoup à Cujas. Et en étant beaucoup à Cujas, je rattache beaucoup Whispers in the Library à Cujas. Cujas, c'est la bibliothèque attachée à la Sorbonne, Panthéon, Paris, Jardin du Luxembourg, tout le tralala. Ils ont des trucs extraordinaires là-bas. Il me semble qu'ils ont l'exemplaire originel du Code civil, le Napoléon, 1804, pour revenir à l'avant-temps. C'est vraiment... c'est ça. Et le cuir. Tu sais, le cartable en cuir authentique qui sent vraiment bon le cuir. L'encre sur les doigts. Faut que je bosse. J'ai perdu mes... Je suis perdue là. Chut. Tu sais, il est tard, j'ai envie de dormir et tout, mais j'avance bien là. Je reste. Tu sais, les lampes de la bibliothèque, l'ambiance. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, alors attendez, d'abord, dans un premier temps, la bouteille. Originellement, Whispers in the Library. Provenance et période Oxford, 1997. Je vous jure, moi, je souffre presque de ce mystère dans lequel je me trouve depuis des années. Et une fois que je suis rentrée, quand j'avais assisté à cet event, c'était à Paris, c'était il y a un moment et tout, avec des gens que j'aimais finement. Laetitia, si par extraordinaire tu vois ceci. Et une fois que je suis rentrée, c'était un moment magique et tout. Hein. Et une fois que je suis rentrée, je me suis dit, mais pourquoi tu lui as pas demandé, c'était un jeune homme très formidable et tout. Je lui ai dit, pourquoi tu lui as pas demandé au monsieur ce que ça veut dire les villes et les dates et tout ça, est-ce que réellement c'est, je m'en suis voulu de ouf. Donc Oxford en 1997. Fragrance, description de la fragrance. Paper, donc le papier. Mais pas le papier, tu sais, le papier des vieux livres et tout ça, qui ont été entre des milliers de mails, qui sont, tu sais, qui voient pas souvent l'air. Papier et bois ciré, waxed wood. Ben tu vois, eux ils disent bois ciré, moi je suis allée sur le cuir. Le cuir ciré, le cuir, ouais. Tu vois, je vous raconte pas de bêtises. Rien d'un. Style description, female and male, donc mixte, homme et femme. Que dit la marque? Que dit le site? Whispers in the Library évoque l'atmosphère mystérieuse d'une bibliothèque aux boiseries parfaitement cirées. C'est pour ça que je le rattache à Cujas. Parce que Cujas, c'est pas Pompidou-Châtelet. Hein. Cujas, c'est le bois, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a des tonnes de gens, je me souviens, quand j'étais là, j'étudiais tout, et j'étais pas là à faire du tourisme, j'étais là en train d'essayer de sauver ma life, et je souffrais de ouf. Mais dans le même temps, ce sont les meilleurs souvenirs de ma vie. Je me souviens que je voyais souvent des gens qui visitaient, en fait, des touristes. Je pense qu'ils payaient, ou je sais pas, et ils visitaient. Parce que nous, on entrait évidemment avec nos cartes d'étudiants. Eux, ils étaient là, parce que c'est un endroit merveilleux. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc c'est ça. Les boiseries parfaitement cirées. L'atmosphère mystérieuse d'une bibliothèque aux boiseries parfaitement cirées. Et j'ajouterai aux lumières tamisées. Ce moment suspendu, où le temps s'arrête parmi les livres et les murmures des pages qui tournent. Inspirée par l'odeur de cire et de papier qui plane dans les bibliothèques anciennes, cette atmosphère ancestrale est recréée par un accord poivré associé aux notes boisées et chaleureuses de cèdre et de vanille. Là encore, la même remarque que celle que j'ai faite précédemment sur les desserts sucrés, les pâtisseries sucrées, chaudes. La vanille ici, elle est tout à fait sabrinesque. Parce que je sais, il y a deux écoles et c'est vraiment le noir ou le blanc. Il n'y a pas de gris. La vanille, on l'adore ou on la déteste. Moi, personnellement, je ne supporte pas les parfums de vanille. En senteur, je veux dire. J'aime la vanille dans mes pâtisseries, dans ma cuisine avec. J'adore, c'est très formidable.
Mais je ne peux pas porter un parfum de vanille. Je me fâche. Ah, des fois, je suis... Oh là là, j'ai senti... Quand je prenais le métro, une fois, ça me l'a fait. À Paris, je veux dire. Ah, elle m'a massacré ma journée. C'était une vanille très entêtante et très entêtée. Hostile et violente. Elle m'a complètement bousillé ma journée. C'était très intolérant. Mais c'était même pas une vanille, tu sais, il y a de très très belles maisons qui travaillent bien la vanille en matière olfactive. Hein. Mais non, là, c'était une vanille cheap et vulgaire et agressive et nulle. Et pas sympa, et méchante. Très mauvais caractère, cette vanille-là. Donc là, c'est pas du tout ça. C'est pareil que le... Elle est très... Elle est luxueuse. C'est une vanille luxueuse qui sait se tenir. Rien ne déborde. Elle marche droit. Mais elle est une vanille. Mais elle est bras sous le bras avec la senteur poivrée. Elles sont vraiment... Elles se tiennent par la main. Elles avancent conjointement. D'accord. Ça voulait rien dire, mais vous comprenez. L'une équilibre l'autre. D'accord. C'est grâce à ça que ça fonctionne pour moi, je pense. D'accord. Très fort, madame. Ah, c'est tout pour la description. D'accord. Très fort, madame. Et mais donc, chili au soin. Et là, on en arrive aux petits, les petits flacons. Donc, je le disais, il existe la 100 ml, la taille juste en dessous, c'est celle-ci, les 30 ml. Ensuite, il existe les formats voyage, où c'est un pchit. Et ensuite, il existe évidemment, je le disais, le petit kit de découverte. Et je le répète, toutes les fragrances, je ne sais pas si toutes les fragrances sont déclinées, mais nombre des fragrances sont déclinées, le lait pour le corps, la bougie. Les bougies, la seule que j'ai possédée, c'était Lazy Sunday Morning. Malheureusement, je l'ai fait brûler, je n'ai pas gardé le... Mais mon rêve, c'est d'avoir... Donc là, je vous parle de By the Fireplace, en plein milieu du mois d'août. Parce que By the Fireplace, ça veut dire près de la cheminée. Mais bien sûr, en cette canicule, c'est tout à fait cohérent. Mais chimioless. C'est une de mes préférées. C'est une de mes préférées, pardon. Il faut faire quand même, il faut rendre hommage, d'accord, et applaudir et féliciter les nez qui sont derrière cette fragrance. Parce que quand je vous dis qu'ils ont capturé dans un flacon, ils ont capturé le feu de cheminée. Ils ont capturé le feu de cheminée. On ne peut pas le dire autrement, ce n'est pas sujet à interprétation, à subjectivité, c'est un fait. C'est une vérité absolue. L'eau bout à 100 degrés, ok. Il y a un feu de cheminée dans ce flacon, ok. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ah, c'est fou. Moi, ce que j'aime infiniment dans les... Moi, j'adore... J'ai des tonnes de cheminées chez moi. Il y en a 2-3 que vous avez déjà vues. Malheureusement, aucune pour des considérations d'assurance n'étant en fonctionnement. Mais mon rêve, c'est ça. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des cheminées. J'ai grandi au coin du feu, pour ainsi dire, avec mon bouquet. À même le sol. Mon rêve, c'est d'avoir une cheminée. Parce que la cheminée, en plus de sa fonction, évidemment, c'est du chauffage écologique et efficace. Mais c'est toute une ambiance, c'est toute une ambiance. Dans cette ambiance, il y a évidemment, tu sais, le feu, le... Mais l'odeur, le bruit et l'odeur d'un feu de cheminée, moi, a un pouvoir hypnotisant sur moi. Ça m'hypnotise. Et je suis là, je suis bien, je suis en train de boire quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais je suis en train de boire quelque chose. Et je suis avec un bon gros bouquin. Il n'y a aucun autre bruit, d'accord? Je porte un legging, un cachemire, d'accord? Et un petit t-shirt en coton, vous savez lesquels je préfère. Pas de soutien, ou une brassière de sport, un truc sans relax. Un gros gilet en laine ou en cachemire. Des chaussettes pile ou déformées. Je suis sur mon... un Winston ou un quelque chose.
Non, je fais des bêtises. Et je suis vraiment là comme ça avec mon bouquin, ma grosse lunette là, mon bandeau d'affamée. Et je suis là avec mon bouquin, je suis la plus heureuse du monde entier, je n'ai besoin de rien d'autre ni de personne. Vraiment, là je suis au summum du bonheur. Le bonheur est à son paroxysme. D'accord. Eh bien, c'est là. J'aime tellement cette ambiance du feu de cheminée. Moi j'ai souvent allumé le feu. Cette odeur là qui s'imprègne dans tes vêtements, dans tes cheveux, elle n'est pas nécessairement agréable. Mais imagine cette senteur mariée à un parfum de luxe absolu, c'est ça. By the fireplace, c'est incroyable. C'est une senteur qui est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait. Moi je sens. Je ne sais pas par quelle sorcellerie, par quelle magie, par quel miracle, par quel, en réalité, talent. Ils ont réussi à recréer ça. Ça sent vraiment le bois de la cheminée, le bois qui brûle. Et en n'y prenant pas vraiment garde, presque par mégarde, il y a une très très infime légère touche de l'oud, le oud, très légère. Mais quand même, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? By the fireplace. Provenant ces périodes, Chamonix, 1971. Qu'est-ce qui s'est passé à Chamonix en 1971? By the fireplace, tu sais, les gros chalets, on a passé la journée sur les pistes. On a mal partout, mais on a bien skié, la neige est bonne. On était sur les pistes à 7h pour profiter. Et donc là, on a retiré des après-ski, on a retiré tout, on a pris une bonne douche, on s'est mis confortable. Et là, on apprécie quelque chose de cognac ou de que sais-je au coin du feu. Dans le chalet, à Chamonix. C'est ça. Fragrance description. Burning wood and chestnut. C'est-à-dire le bois brûlant, le bois en train de brûler. Et la châtaigne. La châtaigne. Style description. Là où tout à l'heure ils disaient male fragrance, female and male fragrance, là ils ont indiqué memory in a fragrance. Absolutely. Absolument. 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 Que dit le site? Ça, c'est un mini miracle. On devrait tous se lever et applaudir parce que c'est grave. C'est grave. Je vous jure. Je sais pas comment ils ont. By the fireplace. Le plaisir d'un feu de cheminée réconfortant qui crépite un beau matin d'hiver. Moi, je le vois plus en evening d'hiver. Mais chacun voit midi. Avec le parfum By the Fireplace, ravivez le souvenir du crépitement d'un feu de cheminée réconfortant un beau matin d'hiver. Revivez ces moments apaisants grâce à cette eau de toilette boisée. Résolument. Doté d'un chaleureux cœur de châtaigne et d'accords boisés alliés à la douceur des notes de vanille et de fruits rouges. C'est exact. Ce parfum addictif est adouci par l'association florale de la fleur d'oranger et de l'essence de néroli. Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Et là, les plus fidèles d'entre vous comprennent pourquoi je suis complètement folle et complètement sous le charme ensorcelé quelque part. The By the Fireplace, l'eau de fleur d'oranger, Mazhar, dont je vous rebats les oreilles tout le temps.
Et le néroli. Vous savez combien j'adore un néroli. C'est mon huile faciale préférée. Je fais mon néroli tous les jours sur le massage et tout. Bien sûr. Aromatica, elle. Je vous la remets dans la barre défaut. Vous êtes détonnée à l'avoir rattrapée. Elle m'aura dit, mais Sabrina. Absolument. Enveloppez-vous dans une couverture moelleuse et contemplez la grâce des flammes qui dansent en savourant des marshmallows grillés. Je vais passer sur les marshmallows, mais j'ai compris la magie. C'est très formidable. Cette eau de toilette douce et épicée, c'est ça. Elle est à la fois douce, mais elle est épicée. Et c'est pareil, même remarque tout à l'heure, c'est une vanille qui sait se tenir, qui est bien éduquée, qui joue le jeu et qui travaille en collaboration avec les autres, le fruit rouge, le bois, la fleur d'oranger, etc., le néroli. Mais elle est là. D'accord. Ça, c'est magnifique. Ben, je muche. Et mais donc, Shibiosuian. Bon, ben lui, c'est l'un de mes favoris, je peux le dire. Je vous l'avais partagé quand je l'avais attrapé. J'étais super excitée de vous le partager avant même qu'il n'arrive. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté, etc. Matcha méditation. Matcha méditation. Même si je l'ai dit, ce n'est pas la très exacte senteur du matcha, dont je suis une grosse consommatrice, là encore, vous le savez. Les plus fidèles d'entre vous qui sont sur mon Instagram savent que je viens de vous éclater, je me suis moi-même éclatée, avec une glace au matcha faite à partir de ma machine, sans sucre, très formidable. Cette glace, elle est bonne au point que moi, je suis émue. Je vous jure. Je vous jure. Je me dis, je suis en train de kiffer gustativement, c'est un bonheur, ne me parlez pas. Je suis dans mon truc. Et il y a zéro sucre. Et au contraire, ce sont les bienfaits du thé matcha, etc. Et je l'ai fait toute seule comme une grande... C'est hyper économique en réalité, parce que c'est une canette de lait de coco, mais ça c'est un autre sujet, d'accord? Mais pour revenir à la matcha, sans être très précisément et très exactement le matcha, c'est quand même une très forte identité du matcha. Le matcha. Le matcha qui avance main dans la main, avec quelque chose quand même de luxueux qui se tient, au contraire de moi tout de suite, qui se tient très droit, une grâce qui est beau à regarder dans sa mouvance comme ça. C'est très merveilleux. C'était pas clair. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Pardon. Matcha méditation, provenance et période. Tokyo. Tokyo 2008. Ça émeut tout le monde. Tokyo 2008. La Tokyo 2008. Fragrance description. Zen Scents of Matcha Tea. C'est-à-dire des notes zen du thé matcha. Et je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est tout à fait ça. C'est pas le matcha, ce sont des notes du matcha. Et c'est très... Moi j'entends les musiques que je vous passe quand je vous partage mon rituel du soir avec mon diffuseur d'aromathérapie. Vous savez ces musiques que je vous diffuse là, comme celle-ci par exemple. Matcha méditation, maison Margiela. Bravo et merci. Je vous célèbre de ce génie. Quelque part. Parce que c'est grave. C'est grave. Cette gamme réplica, je ne connais pas les autres. Et je ne connais pas les parfums, les eaux de parfum de la gamme réplica. Et je suis très excitée à l'idée de les découvrir. Et je finirai ultimement par les découvrir, si Dieu veut. Mais matcha méditation, au même titre que By the Fireplace, c'est incroyable. C'est une restitution, c'est de la restitution en fait. C'est comme s'ils avaient capturé, comme on capture en vidéo un moment, là c'est comme s'ils avaient capturé une fragrance et qu'ils l'avaient mise dans une bouteille.
Ça, c'est plus que du talent, là, c'est du génie. Ils sont extrêmement doués. Mais ils ont mangé la big up. C'est grave. Ils sont très... ils sont très... humbles, j'ai l'impression. Pour ce que c'est. Et on n'est pas bombardé partout de Maison Margiela, ça reste encore confidentiel. C'est beaucoup de monde les connaît, les portes. Hein. Mais je veux dire, c'est encore... c'est presque comme un secret. C'est mon secret. Très régulièrement, quand je porte une de ces fragrances, qu'est-ce que ça sent bon, mais qu'est-ce que tu portes? Et quand je donne le nom, ah bon, les gens ne connaissent pas. C'est terrible. Donc j'espère de tout cœur que, pour ce qui est de vous, mes sisters and brothers, comment allez-vous? Vous êtes bien? Vous êtes au max? Vous êtes au chop? Vous passez un bel été? j'espère que ça va permettre à nombre d'entre vous de... au moins d'avoir envie de découvrir la gamme. C'est grave. Et je le disais, si tel est le cas, dans l'affirmative, attrapez vite le kit là. Je vous jure, il vaut vraiment le coup. D'accord? Pour revenir, surtout avec le discount de la femme, oui. Sab LF. Donc ça, c'était pour matcha méditation. Et donc, je vous suis avec cette fragrance qui, là encore, est arrivée récemment. Je l'ai attrapée quand elle est arrivée. Et là, au même titre que pour matcha méditation, quand je l'ai vu arriver, parce que je les suis sur Instagram, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, je connais leur com. Leurs posts sur Insta, ils sont magiques. Ils sont très fidèles à la marque, en fait, à l'image que j'ai moi de la marque. Elle est fidèle à elle-même. C'est toute une... les codes Maison Margiela, parce que c'est la mode aussi, Margiela. C'est pas juste... c'est la mode. De très très... au standing. D'accord? Maison Margiela, c'est une maison de mode. D'accord? C'est pas maison pour le fun, c'est une vraie maison. D'accord? Parce que moi, je vois là, des marques qui sont nées hier. Maison, non, n'est pas maison qui veut. Maison Margiela réellement est une maison. Je vois leur Instagram et tout. Lui, quand il est arrivé sur Instagram, j'ai dit pardon. Connaissant la... en fait, j'ai confiance en eux pour ne pas trahir mon espoir. Ça fait sens. Quand je vois... il y a une fragrance qui arrive et qui va s'appeler By the Fireplace, je sais que quand je vais l'attraper et que je vais la diffuser, ça va vraiment sentir By the Fireplace. J'ai confiance en eux. Je sais qu'ils ne me trahiront pas. D'accord? Donc, quand j'ai vu arriver ça... et là, c'est pareil, les plus fidèles d'entre vous le savent. Moi, vous savez combien je suis sensible aux odeurs. Et dans les odeurs, quelles sont mes senteurs préférées? When the rain stops. L'odeur de la pluie, quand elle commence à tomber, et donc quand toutes les poussières du sol se soulèvent, cette odeur que l'on sent, j'adore cette odeur. Déjà, j'adore la pluie de manière générale. Moi, je danse sous la pluie. Je suis romantique. Je suis less. Et maintenant, je fais plus le brushing, je zone sous les orages. Je suis au max. Un débardeur et tout, je suis là, oui, I'm alive. Je vous jure, j'ai vécu des épisodes dernièrement. Après, j'ai vu 2-3 éclairs, j'ai dit, bon, je vais quand même rentrer. Bon. Je vous jure que c'est vrai, mais pour moi, rien à m'attendre. J'adore l'odeur de la pluie quand elle commence à tomber. Et j'adore l'odeur de la pluie pendant qu'elle tombe, quoi. Et j'adore l'odeur de la pluie quand c'est, par exemple, quand en ce moment, les orages d'été, en plein jour, quand il s'arrête de pleuvoir et que le soleil revient, cette odeur-là. Ben c'est ça. When the rain stops, c'est-à-dire quand la pluie cesse. Donc on a été coupé. Provenant ces périodes, parce qu'en été, moi j'entends que les pitchous, on respecte pas trop l'heure du coucher et tout. Mais à 20, quasiment 22h, c'est pas pour aller faire dodo ce petit minou dehors qui pousse des cris là. Chacun voit midi. Mais il est mignon, hein. Provenance et période, Dublin. Mais moi déjà j'adore Dublin, mais j'adore l'Irlande. Moi j'adore l'Irlande et je respecte énormément le peuple irlandais. D'accord, parce que je connais leur histoire. C'est un peuple fort et un peuple fier. C'est un peuple qui a des convictions et qui se bat pour ses convictions, qui assume des positions pas nécessairement... Je respecte beaucoup un Irlandais. Et pour revenir à la montagne, Dublin 1967. Who, where, when, en fait, where and when we know, but who, how, fragrance description, fresh rain and sun rays. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un orage d'été, la pluie a cessé, et le soleil revient, les rayons du soleil.
la pluie fraîchement tombée et les rayons du soleil. Et ça sent vraiment ça. Il est magnifique, il est magnifique. J'ajouterai pureté. La pureté, étonnamment, il me rappelle un parfum. Il est différent de ce parfum, mais il me le souvient. Il le rappelle à ma souvenance. Ça fait sens. Mais il est unique. J'ai jamais senti ce parfum ailleurs. Mais il me rappelle un autre parfum que je n'arrive pas à identifier. J'ai cherché, je me suis dit, arrête d'y penser, ça va revenir, et ça n'est jamais revenu. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra sûrement. Mais, when the rain stops, c'est magique. Il est magique. Il est magique. Je le porte quand je mets du gris. Quelquefois, je fais un look quasi... C'est pas total look gris, mais c'est monochromatique. Monochromatique gris. Moi, j'adore porter du gris. Bah, vous ne me voyez pas beaucoup porter du gris, mais je vous jure sur ma vie que je porte du gris. Le gris, c'est efficace. C'est tout de suite élégant. Avec un soulier camel, une lèvre rouge, quelque chose, un pantouk. When the rain stops. Et mais donc, chez nous, il nous reste trois fragrances à découvrir. Celle-ci donc, qui est Beach Walk. Ben là, c'est complètement de circonstance. Ça l'est davantage que By the Fireplace à Chamonix. Beach Walk, promenade sur la plage. On est déjà sur la quasi-terminaison de notre séjour parce que ça va faire 3 semaines qu'on est là. On est tous super bien bronzés. On a tous bien profité. On a retrouvé les amis habituels qu'on retrouve à cet endroit parce que ça fait des années qu'on vient sur le même spot. C'est presque la rentrée, mais on est encore au mois d'août et on profite. On n'est pas encore en septembre. Mais c'est la balade sur la plage, en journée, le soleil est là, et il tape, il est présent, il est fort. Tu sais? Et c'est comme si tu sentais ton... l'odeur du bronzage. Ça sent moitié le produit de la protection UV, moitié quelque chose de mon oeil ou je ne sais quelle huile protectrice qu'on a mis sur les cheveux, moitié l'odeur, l'iode, le sel... Parce qu'on est allé se baigner, Et moitié, admettons, j'ai posé mon t-shirt à côté de ma serviette. Et j'ai mis du parfum sur le t-shirt, il est parfumé. C'est un mélange de tout ça. C'est presque comme si je pouvais sentir l'océan dans un parfum. C'est magnifique. Beach walk. C'est pas la promenade à la tombée de la nuit, non. C'est la promenade sur la plage en plein jour. C'est vraiment l'expérience de la plage. Mais luxueuse, enivrante, nostalgique, romantique. C'est merveilleux. Ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Dans les fragrances estivales, où on va beaucoup parler de la Sun Goddess chez Estée Lauder et quasi également de cette merveille absolue chez Bobbi Brown, qui toutes les deux sont des temples absolus. Hein. Moi, je propose Beach Walk de Maison Margiela parce que c'est vraiment là où vraiment la Bronze Goddess de... Elle se ressemble énormément, hein, la Bobbi Brown et la Estée Lauder. Elles sont vraiment le monoï. L'été, le monoï, elles sont évidentes. Elles sont tout à fait respectables et je les respecte et j'en bafouille, d'accord? Mais elles sont très évidemment monoï. Monoï, tiaré, voilà. Elles, c'est autre chose. C'est pas ça. C'est autre chose. Ça relève de cet univers. Mais là, je te parle de Bali. L'Indonésie, d'accord? Les plages, pas les plages bondées, les plages exclusives, quasi désertes.
Le luxe encore. Donc, what about? Beachwalk, provenance et période Calvi. Calvi, 1972. Ben, Calvi, 1972. D'accord. Description de la fragrance, sun-kissed, salty skin. Donc, une peau salée caressée par le soleil, donc le premier bronzage, quoi, sun-kissed. Style description, memory in a fragrance. Elles sont toute une collection, là, d'être des memory in a fragrance. Beachwalk. Si vous n'avez jamais réussi à trouver une senteur d'été qui soit pas justement le tiare très évident, le monoï, la fleur de tiare et le monoï très évident, vraiment allez découvrir Beachwalk, elle est incroyable cette senteur. Parce que c'est le dénominateur commun de toutes les senteurs que j'ai en ma possession là devant vous et que j'ai également en ma possession dans les pchipchit, les petits. C'est luxe, hein. C'est luxe. Ce ne sont pas des parfums évidents, faciles. Ce sont des parfums de luxe. Tantôt en légèreté, tantôt en présence, davantage. Mais le dénominateur commun, vraiment, c'est le luxe. Beachwalk, elle est ouf. Et mais donc, Shibi aussi. Je garde le meilleur pour la fin. C'est pas le meilleur, mais c'est sentimental. Sailing Day. Bon alors, Sailing Day. C'est pareil, hein, c'est la magie de comment ils ont capturé cette... comment? Et l'ont mis dans un flacon. Sailing Day, ça veut dire... c'est le sailing, c'est l'univers naval. C'est les bateaux. What? Hein? Donc Sailing Day, c'est on passe la journée sur le catamaran. Ça, c'est mon rêve, je vous l'ai déjà dit ou pas? Les catamarans, mais de luxe, là, les méchants. Tu sais les méchants? C'est mon rêve. C'est mon rêve. Je vous jure, c'est mon rêve absolu. Je rêve pas d'un hôtel, je sais pas quoi, Dieu béni, j'ai eu la chance. J'ai fait des palaces et des choses. Mais ça, je l'ai jamais fait. Je l'ai même jamais fait, si ce n'est pour y dormir, pour y passer la journée. Parce que c'est possible, j'ai eu l'occasion de le faire des tonnes de reprises, mais c'est où on est 8, on est 10, c'est... Non, moi je veux un truc hyper exclusif où il n'y a que moi et lui. Who? Where? When? How? Tu sais, le truc là de la plaisance de luxe, hein, la plaisance de luxe, là, on est dans les plus belles marinas du monde. Monaco, que sais-je, d'accord. Non, davantage, oui, non, Positano. Positano. Les catamarans, tu sais, en bois, les trucs. Les bois rouges, les cerisiers, les trucs. Tu sais, les cabines où c'est plus beau que le plus beau des palaces, mais c'est un bateau. Et moi, ce dont je rêve dans ce bateau, vraiment, c'est la partie, je sais pas comment on appelle ça, qui ressemble à un trampoline. C'est ça que je... C'est ce dont je rêve, c'est ça. Et t'es là, tu bronzes, et en dessous de toi, c'est l'océan. Sailing Day. Tu vois, moi, je suis partie sur l'Italie, eux, ils sont en Grèce. Provenance et période, Paros 2001. C'est quoi ça? C'est très connu. Non, moi, je ne connais pas trop. Mais je connais pas la Grèce. Alors, what else? Paros est une île grecque de la mer Égée. Célèbre pour ses plages et villages traditionnels. La capitale de Parakia, située dans la baie, représente le centre de transport et de navigation de l'archipel des Cyclades. C'est comme ça, on le saura. Fragrance, donc c'était Paros en 2001. Fragrance description, aquatique deep sea. Donc je ne sais pas si c'est la aquatique deep sea, mais c'est vraiment l'univers marin. C'est l'univers marin. Mais l'univers marin, vraiment, dans le là encore, c'est un parfum très luxueux.
dans le, tu sais, les qui a le plus beau yacht, qui a le plus beau bateau, qui tu sais, c'est ça. Et là encore, c'est Memory in a Fragrance. Que dit le site? Je crois qu'on n'a même pas fait que dit le site pour Beach Walk, si? Sailing Day, il est magnifique. Là, c'est pareil, à cette période, il est magnifique. D'accord. Waouh. Oh, les images. Waouh. Une mer infinie s'étend devant vous. Ressentez la fraîcheur d'une journée vivifiante sur un voilier. C'est ça, une journée vivifiante sur un voilier. C'est ça. C'est vraiment ça. Offrez-vous une sensation de pureté avec Sailing Day, plongé dans l'océan en pleine journée d'été. Une légère brise chaude gonfle les voiles et guide le bateau vers votre prochaine aventure. Doté d'un accord aquatique unique, marié à des notes aromatiques d'algues rouges, d'ambre gris salé et de coriandre des plus purs. Pardon. Sailing Day est une véritable invitation à explorer l'océan. Non mais déjà, pardon, parce qu'il y a les nez qui sont à la constitution, à l'élaboration des jus. Mais il y a aussi la plume, là. Qui est-ce qui écrit ces merveilles-là? Décrire un parfum dans l'absolu, c'est pas du tout facile. Mais tu sais, moi, je pense souvent à ces personnes qui ont pour responsabilité, dont la charge, et de tenter de décrire à l'écrit les fragrances. C'est pas facile. Et là, c'est remarquablement fait. Doté d'un accord aquatique unique, marié à des notes aromatiques d'algues rouges, d'ambre gris salé et de coriandre des plus purs. Là, je suis partie sur la croisière sur le Nil avec Hercule. Je sais pas pourquoi. Sailing Day est une véritable invitation à explorer l'océan. Plongez dans ce bleu intense et profond et ressentez la fraîcheur de la mer grâce à cette eau de toilette revigorante. Elle est revigorante de la collection Replica. Elle est revigorante. Porte un petit short blanc, ceinture en cuir rouge, un petit top blanc avec un pull Ralph Lauren noué parce que il peut faire frais, le vent. J'ai mes espadrilles. Je suis à plat parce qu'on zone sur la marina, tout ça. Mes lunettes œil de chat. Lampanchunk. Sailing Day. Petit sac en osier. Petit sac en osier. Un josa. Pardon. Juste pour être la plus exhaustive possible, la description de Beach Walk. Une délicieuse promenade en bord de mer, le soleil qui irradie votre peau salée. Est-ce que ça filme? Oh, James. Le parfum Beach Walk évoque le souvenir d'une journée d'été grâce à ses notes éclatantes de bergamote. Ah, bergamote. De bergamote, de lait de coco, de musc, de poivre rose et d'ylang-ylang. Vous comprenez pourquoi j'en suis folle? Vous évoluez lentement le long de la plage. Les pieds ensevelis dans le sable, les embruns qui caressent la peau, la légère brise chaude qui exalte vos cheveux. Le soleil qui effleure votre peau salée. Solaire et chaude, cette eau de toilette florale unique fait partie de la collection Replica. Là, c'était Beach Walk. Et alors, les filles et les garçons, la dernière fragrance. Il y en a des tonnes qui sont fameuses. Jazz Club, que j'ai pas la chance de posséder encore, mais que je connais via les échantillons, et Magique. Flower, je ne sais plus, pardonnez, je vous la mets dans la barre d'infos, et Magique. Pour un floral, elle est magique. Il y en a des tonnes qui sont, mais je ne les ai pas encore toutes, d'accord. C'est une petite, un bon début de collection. Mais celle-ci, j'étais obligée de l'avoir, pourquoi? Under the Lemon Tree. Vous le savez, ma fragrance passionnée de l'olfaction que je suis, ma senteur dans l'absolu de l'humanité, ma senteur absolue, c'est le citron. Le fruit, fraîchement coupé. Tous les matins, je sens ça, parce que tous les matins, je bois du citron. Pour moi, c'est la plus belle et la plus merveilleuse senteur au monde.
d'accord? Donc, chez Maison Margiela, dans la collection des eaux-toilettes réplica, il existe Under the Lemon Trees, sous les citronniers. Donc, provenant ces périodes, Palermo, 1987. Que vous connaissez peut-être, l'eau d'Adrien que j'ai la chance de posséder et que je vous ai partagé dans mon volet numéro 2, le volet numéro 2 de mes favoris, il lui ressemble beaucoup. Ils sont différents, ils sont cousins pas frères, ils sont cousins en plus éloignés, mais ils ont une identité comme ça. Tu sais, l'eau d'Adrien, Adrien avec un H, chez Annick Goutal, petite chérie, Annick Goutal. C'est un citron luxueux, je le répète, c'est vraiment, je peux pas vous le décrire autrement. Et c'est vraiment, moi je vois la Dolce Vita, ça peut paraître cliché, mais c'est vraiment, c'est pareil, ils ont encapsulé cette magie-là dans cette bouteille. Même si c'est une période que je n'ai pas vécue. Je regrette, franchement, si j'avais pu choisir ma période de naissance, j'aurais choisi cette, tu sais, la Cinquecento rouge qui va à fond la caisse dans les petites rues de Palerme, les citronniers, les robes à fleurs, l'ambiance que nous offre depuis des années Dolce Gabbana, tout cet univers là, cet univers. Gina Lollobrigida, les femmes voluptueuses. Les peaux bronzées, le rouge à lèvres rouge, les lunettes en yeux, en œil de chat, mais blanches. Ou les robes à pois, tu sais, le marchand de poissons, la pizza, oh là là. Il fait chaud, c'est caniculaire, on se repose, on fait une petite sieste à l'ombre sous les citronniers. Et on entend les cigales, c'est vraiment ça. Mais c'est luxe. C'est luxe, luxe, luxe. Là, je vous jure, quand je fais ça et que j'entre dans le nuage, il se passe... C'est une magie. J'ai la folle ou pas, je m'en fiche, j'assume. C'est une magie pure. Ce parfum, c'est une magie pure. Il est presque innocent. Il est innocent, il est ingénu. Il est sans prétention, il l'a pas fait exprès, il est juste sublime, il l'a pas fait exprès. Il le fait pas exprès. C'est Alain Delon jeune. Il est sublime, sans effort. D'accord? Que dit le... Ah. Under the Lemon Trees, Palerme, 1987. Fragrance description, relaxing and bright lemon, un citron vif mais relaxant. Style description, memory in a fragrance. Que dit le site? C'est fou. Moi, ce dont je rêve, moi on a le droit de rêver, tu es mis en laisse. C'est une immersion. Je rêve d'une immersion dans l'univers Margiela. Maison Margiela, réplica. Je rêve d'une immersion, je veux comprendre, je veux qu'on m'explique, je veux qu'on me prenne par la main et qu'on m'accompagne et qu'on me montre et qu'on m'explique. Et je retiendrai tout, je prendrai des notes. Alors, what else? Under the Lemon Trees. Mais Under the Lemon Trees, je vais m'acheter la main en bouteille dès lors que j'aurai terminé mon 30 ml. Un moment relaxant à l'ombre des citronniers.
Raviver le souvenir d'une escapade ensoleillée dans un champ de citronniers éclatant. Under the lemon trees évoque une sieste sous les citronniers. Je vous jure sur ma vie que je ne l'avais jamais lu. À l'ombre de leur feuillage vert et rafraîchissant. Ça, là, ça vous démontre le génie d'Ainé, je ne sais pas. Composé comme un citronnier imaginaire. Ce parfum vif est doté de notes d'agrumes fraîches et vivifiantes, alliées à des notes vertes de coriandre, d'absolu de maté et de feuilles de thé. C'est ça. Le sillage boisé, parce que c'est ce que je vous disais. Ne l'imaginez pas, ah, c'est citron, il est juvénile. Ah, c'est citron, il est simple, il est petit, il est facile. Non, 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 il y a du boisé derrière, c'est quand je dis luxe. Le sillage boisé composé de cèdre et de musc blanc, au pluriel, complète l'évocation de ce symbole méditerranéen. Là, c'est pareil, très belle description. Voilà une parenthèse au parfum de Dolce Vita. Cette eau de toilette pétillante fait partie de la collection Replica. J'ai terminé par lui pour m'assurer que ce soit lui que je porte. Magnifique. Donc, je suis absolument ravie que ce soit par lui que se termine cette petite vidéo dominicale Our Ladies and Gentlemen qui nous réunit toutes et tous autour de la poésie et de la magie du parfum chez Maison Margiela. C'est grave. Les eaux de toilette. Mais ça, c'est très formidable. Si en été, vous n'aimez pas porter un parfum et que vous voulez quand même, sans toutefois renoncer quand même à un joli sillage et quelque chose de très élégant, raffiné, hein, c'est une très très belle option. Sab LF. De grâce, dites-moi lequel vous fait le plus envie de cette vidéo. Mais je l'ai dit, il en existe des tonnes d'autres. Que dit le site? Il y a un Beach Vibes. Apparemment, il y a un Beach Vibes en plus de Beach Walk. Parce que là, je vois la bougie Beach Vibes. Donc là, je vois Jazz Club. Jazz Club, c'est magique. C'est le cigare. Il est magique. Moi qui suis une amoureuse du jazz, quand je le sens, je ressens des émotions que je ressens quand j'écoute le jazz. C'est fou. D'accord. C'est étonnant que je ne l'ai pas déjà. Mais on ne peut pas tout avoir, ma bonne dame. Donc la très belle gamme Maison Margiela, il n'y a pas la totalité, mais il y a une très très grosse partie disponible chez... Ah ben voilà, ce sont les claps de fin. Disponible chez Look Fantastic. J'espère de tout cœur que je vous ai donné la curiosité d'aller les découvrir. Et je le disais, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire, de savoir laquelle de ces fragrances vous possédez déjà. Laquelle de ces fragrances vous me recommanderiez, que je n'ai peut-être pas cité là. Et voilà, je suis absolument ravie de vous faire profiter une fois encore du code qui est valable non seulement sur les jus, mais sur tous les produits qui sont... Je vais vous en donner le détail dans la barre d'infos, des jus. Mais je l'ai dit, le code SABLF, et j'espère que ça va être plus clair, parce que c'est dommage, vous profitez pas. En fait, nombre d'entre vous profitent, mais certains d'entre vous ne comprennent pas le premier lien qui se trouve dans la barre d'infos. Évidemment, je l'ai dit, il est question de discount sur des dizaines de milliers de produits. Sur la gauche, vous connaissez le site de Look Fantastic, il est remarquablement bien fait. Il y a l'index alphabétique des marques. Donc s'il y a un produit chez une marque que vous cherchez, il est très facile d'aller le Olaplex, shampoing. Par exemple. Donc voilà tout pour cette petite vidéo les filles et les garçons. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Attends, je muche parce que là je vais être sentimentale. Je le disais, c'est la dernière vidéo que je filme avant la rentrée. Ce n'est pas la dernière vidéo qui vous parvient parce que je suis absolument ravie de vous annoncer que vous retrouverez que notre rendez-vous dominical tient tout le mois d'août. Donc vous me retrouvez aujourd'hui, vous allez me retrouver en milieu de semaine prochaine si vous n'en avez pas marre de voir ma boule. La semaine prochaine, ça va être un mercredi, ça va être un rendez-vous qu'il ne faudra pas louper. Je vous dis la vérité, c'est autour du CBD. 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 Ok? Évidemment, les choses, la Auguste Fashion, avec des choses, notamment des choses, vous êtes nombreuses à me demander un tutoriel, sans prétention et avec humilité, je serais absolument ravie de vous partager le tuto dans un live sur Instagram ou les choses. Donc suivez-moi sur Instagram.
Et avant de vous laisser, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Donc j'aurai le bonheur de vous retrouver sur YouTube pendant tout l'été. Je sais que j'accompagne des tonnes d'entre vous qui êtes au boulot et dans le même temps j'accompagne des tonnes d'entre vous qui êtes sur la plage. Sabrina, je suis à Majorque. Sabrina, je suis je sais pas où, dans le monde entier. Mais si ça, à Londres, dans le monde entier, en Thaïlande, à Dubaï, Sabrina, je suis là. Et vous regardez ma vidéo, donc je suis en vacances avec vous dans le monde entier, c'est trop cool. Donc non seulement je vous promets de vous retrouver pendant toute la durée du mois d'août, tout le long du mois d'août, ici sur la chaîne, mais également sur Insta, parce que je vous dis la vérité, j'ai préchauffé. Au moment où vous voyez ceci, c'est le lendemain que je pars. C'est demain que je pars pour vous. Mais j'ai préchauffé des tonnes de choses pour l'Instagram, pour pas laisser mon Insta vide, mes stories notamment. Donc retrouvez-moi sur Instagram, il y a encore des recettes. Ben déjà là, vous étiez sur la recette du grilled cheese sandwich qui vous a époustouflise. Un ami est sûr. Quitte à manger un sandwich, autant manger celui-là. Vous êtes nombreux à m'avoir dit là, Sabrina, c'est trop, on souffre, pourquoi tu fais ça? Pour vous inciter à le reproduire, c'est du pain et du fromage. Voilà. Donc, de tout cœur, merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui me font le bonheur de me suivre sur Instagram. Je kiffe. Si je faisais sur YouTube les vues que je fais sur Insta, je serais la plus heureuse du monde entier. Mais toujours est-il que je suis absolument ravie de vous retrouver ici et de vous accompagner, donc je le disais, pendant tout le mois d'août. Et encore plus fort à la rentrée. À la rentrée, ça va être un job. Donc, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous lis beaucoup. Hein. Prenez bien soin de vous. Body and mind. On en reparle mercredi, puisqu'il va être question du samedi. Et prenez soin également des vôtres. Profitez de votre été, que vous soyez en vacances ou pas, que vous soyez au boulot ou pas. Profitez de votre été. Une petite balade au soleil, ça coûte rien et ça fait du bien. C'est franchement salvateur à bien des égards. Moi, vous me voyez zanné. Oui, pour vous répondre, Aaron, il est là, il va très bien. Je sais pas s'il n'est pas censé être concerné par les trucs de migration, etc. Là, non, c'est pas ça. Pour revenir à la montagne, moi, je suis contente de l'avoir avec moi. Je vous donne de les babies. Je vous embrasse vraiment très fort. Mouah, de les babies. Prenez bien soin de vous. Et à tout vite. Bye. Mouah. On m'invite. J'espère que ça fait mieux pendant tout ce temps. Ah oui. Allez, de les babies. Mouah.